Bienvenue à Châtellerault, sur le quartier de la Plaine d'Ozon. Ici va être créé le premier restaurant solidaire, où la cuisine du monde sera représentée. L'association Le Goût des Autres a été créée en mai 2021. Notre projet, c'est la création d'un restaurant solidaire avec un chantier d'insertion. C'est proposer à des personnes des contrats de travail et avec un accompagnement socio-professionnel. Donc il va y avoir des recrutements. 6 personnes vont être recrutées, 3 en cuisine, 3 en service. Des encadrants techniques qui vont être recrutés, un chef cuisinier de 15 ans d'expérience et une accompagnatrice socio-pro qui va encadrer l'activité. C'est un local qui fait à peu près 350 m2, donc Le Goût des Autres prendra 150 m2 et nous recherchons d'autres porteurs de projets pour accompagner et avoir une activité complémentaire à cette activité de restaurant solidaire. Le marché le mercredi est extrêmement dynamique. Ça va répondre avec justement toute la structure commerciale qui existe ici. Grâce à ce projet-là et l'accompagnement social de l'équipe, on aimerait bien partager notre talent. Nouvelle expérience. Pour moi. Ben on voit beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens pour manger dans des grands restaurants. Alors un projet qui s'ouvre moins cher, ça me donne vraiment l'envie de travailler avec eux. Le projet est soutenu par la ville de Châtellerault et par le Grand Châtellerault, l'agglomération, mais aussi par des acteurs du quartier. Et pour cela, on aimerait que ce soit les jeunes du quartier qui mettent en place un service de livraison, peut-être un service Uber éthique. Pour nous, ça devient un partenaire important, déjà parce qu'on est voisins. Et ça va nous permettre aussi de développer et de proposer des nouvelles actions en partenariat avec Le Goût des Autres. Et peut-être des projets de bibliothèque vivante, d'atelier cuisine. Ça va vraiment nous permettre d'offrir un nouvel espace plus convivial, plus accueillant pour les habitants et les habitantes du quartier. Le Goût des Autres, c'est un instant de bien-être dans le quartier.